Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des bottes d'Alistair. C'est bon, j'ai tranquille. On va faire ça pour un héliotrope RPVM. Donc, idéalement, near perf avec la prospection et dommage de distance. Voilà, pour mettre des gros coups de mantache et de la raillerie à travers portail, quoi. Bon, donc, soit on fait du near perf PM random, soit bon, bah, si on arrive à un G perf, on mettra une rune trans, je pense. Et peut-être que je transerai sur du near perf, mais bon, c'est pas. On verra, ça dépend comment ça se passe. Bref, on a 83 depuis. Est-ce que je tryhard le perf vita ou pas? C'est un peu la question là. En vrai. Bon, déjà, avant toute chose, il va falloir que je gère l'agi. Bon, ça commence bien, c'est tout ce qu'on adore, ça, c'est vraiment, ça régale. Ok, bah parfait, hein, vraiment, y a aucun souci. C'est génial. Donc, on va mettre tac, tac. Je vais mettre une petite rune faux, par exemple. Ah, hop. Ensuite, le crit qui crit, la sagesse qui passe, moins 9. Moins 12 pour la Vita. Bon, bah, la première tenta va être un petit peu technique, hein. Moins 6 pour la PP. Eh bah, c'est bien, il reste 6 depuis. Bah, ça régale. On a deux tentas à vie pour peut-être essayer de grappiller un peu de vie. On pourrait bidouiller l'ini, mais un peu. Ok. Le PM qui passe pas. Bah, ça commence bien. Allez, c'est que le début. Bon, bah, littéralement plus d'une heure après le premier puits. On a le deuxième. Bah, ça régale. 70 de puits. J'ai déjà une ravie qui est pas passée, que j'ai cliqué un peu vite. Ça régale pas. Eh bah c'est parfait, moins 33. Ah là 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 là, compliqué la vie. Hein. Réfix, non, il y en a déjà sur l'item, on va pas commencer à int. Ok, tech. Rage. Je suis trop con, la rage, j'aurais dû la mettre avant la pavée. Je fais n'importe quoi. Ouais, ça fait littéralement, ça fait plus d'une heure que je suis en train de bourriner les runes. Je sais pas, j'ai dû perdre 4 ou 5 millions de kama en runes pour avoir absolument rien, et là je suis en train de int. Ah non, j'int pas, j'ai la prospection qui me rattrape. J'ai juste int une ravie en fait. Bon, c'est ok. Enfin, non, c'est pas ok, mais c'est fait. Donc, esquive PA qui crit. Je l'ai compté ma rage là? Non. Moins 10, il me reste 27. Mettre 2R. Après, je me maintiens très très proche du Gmax, mais. Ah oui, accessoirement, je sais que j'étais en 15 2R pour la première tenta, mais ça, c'est juste pour faire des. Pour que tous les mecs qui commentent direct, ils mettent les commentaires dans le chat YouTube, et ça fait monter ma vidéo dans le référencement, donc c'est opti pour le YouTube game, hein, ça, c'est du Theorycraft. Vous inquiétez pas. Hop, hop, moins 2. Non, par contre, il reste 15 tout pile. Ça régale, parce que 15, c'est quoi? C'est une tenta dommage distance. Dos perdu. Qui passe pas. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On a le PM en vrai. En vrai. En vrai. Ah, j'ai pas remis la scène. Ouais, merde. Oh bah, décidément, c'est full fail ce. Oh bah, c'est bien ça. Voilà. Full fail ce stream, cette séquence. Bon, vas-y, tu sais quoi, c'est une séquence de mort. Bon, bah, vas-y, fin. Fin, ça m'a saoulé. On mettra une rune trans. Littéralement, une heure pour avoir ça. C'est bon. Ça va partir en rune trans. Ça fera le taf. En vrai, bon, le G est quand même. Il est quand même plus beau que 99% des trucs qu'on voit en circuler. Hein, mais voilà. En fait, je vais juste exo PM. Puisqu'apparemment, vu que les PM, ils veulent être sur mes items ce soir et ne pas partir, autant faire en exo PM. Ça marchera peut-être mieux. Allez, bah écoutez, fin de la vidéo. Bah, c'était pas la vidéo la plus quali, mais c'est du contenu. Hein, donc régalez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la prochaine.